grand frère a été tué au siège du RPG au cours d'un meeting d'Alpha Condé et que le président avait promis de prendre en charge sa famille. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, après ça, depuis qu'il a envoyé l'ancien accueillateur aux familles, d'aller dire aux familles vraiment que quand ils ont gagné le pouvoir, ils vont prendre les enfants en charge, leurs frais de l'étude et de frais d'études. Encore plus, il nous a parlé qu'ils vont construire pour les enfants. Bon, la promesse là, depuis qu'il est quitté là-bas, l'ancien accueillaté est quitté, bon, on est resté dans ça jusqu'à avoir de pouvoir. Après avoir de pouvoir, notre maman a décidé en 2015, le président même s'est déplacé d'aller aux familles, d'aller promis encore. La promesse, deuxième promesse là, ça a été fait quoi? Il dit qu'il va construire pour les enfants. Donc, ces jours-là, il y avait son ministre, docteur Balou. Balou était là-bas. Donc lui, il a dit, bon, président a dit, bon, je vais construire votre foyer là. Et on a un frère, lui, il a dit que non, ce n'est pas nos foyers. Donc il dit que ici, c'est nous. Nous sommes logés presque. Le président a dit, d'accord, j'ai compris. Il dit, bon, tout problème. Mon frère, là, lui, il a expliqué à la présidente ces jours. Il dit que, bon, mon frère qui a été tué au 16, lui, il a laissé 8 enfants, 2 femmes. Il avait une parcelle vide à Koya. Mm-hmm. Devant le président a dit, d'accord, il va construire de là-bas pour les enfants. Donc, il dit, pour tout problème, et je vous mettre en contact avec docteur Balou. Donc il dit, tout problème, venez voir Balou. Maintenant je me suis déplacé d'aller chez Balou. Je dis, ah docteur, on ne comprend rien. Depuis que le président a laissé la construction avec vous, pour que les deux enfants là, ils vont avoir leur maison à travers de vous. Bon, maintenant, je dis, quelle est la situation réelle? Le docteur m'a dit, vraiment, j'ai des soucis de votre frère. Et que moi-même, je ne te connais pas avant, je connais votre frère, Mahmoud Kaba. J'ai dit, oui, c'est notre frère. Nous sommes de même... Notre maman et la maman de Mahmoud, c'est la même père, même mère. Donc, c'est notre frère. Moi et Mahmoud, on est grandi, c'est mon frère là, Amadou Tal. J'ai dit, bon, si vous connaissez Mahmoud, c'est la même chose. Il dit, bon, maintenant, j'ai des soucis de votre frère. Vraiment, fais un écrit, tu m'envoies. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai fait un écrit, je dis, ah, j'ai déposé chez docteur Balou. Je dis, docteur, bon, pardon à l'amour de Dieu, aide-nous pour que les enfants, leur situation là, ça sera amélioré un peu. Je dis, vraiment, il y a le premier fils de mon frère là, le premier garçon de mon frère là, lui il a abandonné l'école à cause des frais de son... moi j'ai pas de moyens pour pour envoyer à l'école. Donc lui il a laissé, maintenant j'ai envoyé un de mes amis là, lui il n'a qu'à l'apprendre au métier. Lui il est là-bas. Je dis, docteur, vraiment, si ça continue comme ça, moi j'ai pas de moyens. Et mon frère là a été tué devant Alpha. Même Alpha lui-même, il avait, lorsque on a tué le sang d'Alpha, le sang de mon frère a touché Alpha. Cela veut dire que l'intéressé voulait assassiner Alpha, mais malheureusement le bal a été trouvé mon frère. Donc je l'ai tout expliqué à docteur Balou. Je dis, vraiment, quand tu vas chez nous, là où mon frère allait, a été décidé, était à Kipé. Maintenant, on nous a délocalisé là-bas à cause des prix de location. On est venu à Simbaya. Là-bas encore, on avait les dettes là-bas, l'intérêt nous a vidé. Je dis, aujourd'hui, actuellement, les enfants, ça se trouve à Fofomere, au quartier de Brika. Je dis, pardon, docteur, même toi, quand tu vas là-bas aujourd'hui, tu vois les enfants là, les 8 enfants là avec leur maman. Je dis, Wallah Billah, tu allais prendre une maison à donner les enfants là en cadeau.
Je dis, si le président a promis ça, pardon à l'amour des défunts, mais ça, pour que les enfants, leur situation là, ça sera changé. Ça, vous avez dit ça à Dr Balo? J'ai dit ça à Dr Balo, dans son bureau. Donc, il dit, oh bon, d'accord, fais un écrit, j'ai fait un écrit, je l'ai donné. C'est pas après, je n'ai pas eu de suite. Chaque fois, je vais là-bas, je ne vois même pas le docteur. Un jour, on se rencontre, en sortant de son bureau, moi je suis venu, on se rencontre à la rentrée. Il a pris ma main, il dit, ah, Tal, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, ah, je suis venu te voir. C'est le même problème. Je dis, mon problème là, vraiment, ça commence à me fatiguer. Ça fait 9 ans, comme ça, bientôt 9 ans, les enfants là, leurs frais de médical, leurs frais de manger, frais de l'école, c'est à moi. Je dis, docteur, à l'amour de Dieu, il faut nous aider. Parce que c'est toi qui peux nous aider comme ça. Nous, on n'a pas le moyen d'aller rencontrer Alpha, président de la République. Donc, vous avez le moyen. Je dis, ce que tu vas nous faire, pardon, il faut nous aider. Moi, je n'ai pas de moyens. Et c'est les enfants là, c'est un de les familles d'Alpha. Parce que c'est lui qui a dit qu'il va prendre les familles là en charge. Je dis, pardon, fais à l'amour de Dieu, il faut nous aider. Docteur nous dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et tu vas aller faire le compte rendu au président. Un jour, je l'ai appelé au téléphone, il a pris le temps. Il dit, ah, Tal, c'est bien. Je suis à la présidente comme ça, tu m'as rappelé. Je vais parler tout à l'heure au président. Mais chaque fois, c'est un autre mot. Chaque fois, quand je vais au bureau, ou bien je l'appelle au téléphone, il ne prend pas de téléphone. Donc, c'est ça qui m'a obligé de venir voir vous, les bons journalistes, pour m'expliquer, pour que si le président de la République il entend ça, pour qu'il va aider les familles, parce que c'est ses familles. Donc, leur père a été assassiné au siège des partis, au moment qu'on n'avait pas le pouvoir. Mais maintenant, là, on a le pouvoir, donc il peut nous faire ça c'est pour les familles. Donc, c'est ça que nous, nos soucis aujourd'hui, c'est ça. Il n'est qu'à nous aider. Pour parler en français, ça me fait mal, mais je me suis débrouillé parce que je suis trop souffrant dans cette affaire. Donc, si le président m'entend ça, ou bien un de ses ministres, ou bien un de ses collaborateurs, il n'est qu'à parler ça au président pour qu'il puisse aider le famille Tal qui a été assassiné dans son 16. Le 12 octobre 2010. D'accord. Après l'assassinat de votre frère, est-ce que la justice a fini de trancher l'affaire? Est-ce qu'on avait retrouvé les coupables? Bon, le fait mal qui connaît là, sont le jeune frère du président, lorsque... Qui est décédé. Qui est décédé là. Lorsque on avait... mon frère a été assassiné au 16. Maintenant, il m'avait appelé, un de nos frères là, qui s'appelle Kamne Kaba. Il a dit, Kamne, appelle votre frère Morital. Il vient, j'ai pris un avocat pour lui. Il dit, l'avocat là, il s'appelle Lamine Doumbouya. On était allé, c'est l'avocat là. L'avocat là, il m'avait dit, bon, fais votre plainte en cas, quand on fait la recherche, donc, quand on trouve l'intrigé, ça trouvera que votre plainte est là. Donc, Malik, il a dit, mon frère, il a dit, bon, je prends en charge, l'avocat là, c'est moi qui paye. Et la famille ne paye rien, je prends ça en charge. Donc, ces jours, on a remercié Malik ces jours. Et si Malik était là aujourd'hui, là, notre problème là, ça ne serait pas être difficile comme ça. Parce que lui, il avait des soucis de famille. Et je voyais. Mais aujourd'hui, lui, il n'est plus. Donc, c'est lui que le président nous a mis en contact, Dr Balo. Vraiment, on ne comprend rien. On ne sait pas si le président a donné l'argent à lui ou soit c'est lui qui veut nous fatiguer. Quand même, ça nous a compliqué les tâches. Donc, c'est à cause de ça, on est venu vous voir. Donc, le cas de justice, vraiment, l'intrusion, c'est introuvable. D'accord. Jusqu'à présent. Comme la plupart d'ailleurs des victimes qui ont eu lieu depuis 2009. Alors, l'autre question. Il semblerait que le président vous a promis de vous offrir une maison construite par la Sonapi vers la cimenterie. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, et pour ça,
Un jour, M. Nabé, j'étais allé le voir parce qu'on se connaît au niveau des partis. Mm-hmm. J'étais allé le voir parce qu'il fait de bien à cause de. Parce qu'on se connaît, il connaît mon frère qui a été décidé là au sein de parti. Mm-hmm. Maintenant, lorsque mon frère est décidé, chaque fois, il fait des gestes aux familles. Mm-hmm. Maintenant, comme il me fait le geste souvent là, il peut me donner un sac de riz, il peut me donner un peu de l'argent, va faire ça, le petit dépense à la famille. Maintenant, je suis allé le voir, Nabé. Je dis, M. Nabé, vraiment, le problème là, l'autre partie là, ça commence à nous fatiguer. Je dis, chaque fois, c'est notre mot. Chaque fois, c'est notre mot. Il me dit, bon, d'accord, attends, je vais faire un écrit pour le président. Bon, il avait fait un écrit là pour le président. Donc, que le président avait promis. Mm-hmm. Mais moi, c'est Nabé qui m'avait dit ça. Mm-hmm. Il dit, le président a promis la famille Tal quand Sonapi est en train de construire le logement social à Kitaya. Mm-hmm. Quand le maison social là est fini, il va prendre une maison pour donner les enfants là. Mm-hmm. Bon, on est resté dans ça. Maintenant, bien avant que ça, lorsque j'avais fait un écrit d'envoyer à la présidence. Mm-hmm. Donc, lettre là, si je ne me trompe pas, je vous ai donné les copies de ça, mm-hmm. vous avez photocopié. Mm-hmm. Donc, lettre là, première lettre, ça a été fait en 2013. Deuxième lettre, ça a été fait en 2016. Troisième lettre, ça a été fait en 2017. Mm-hmm. La dernière. Lettre que j'avais fait, c'est en 2018. Mm-hmm. Mais chaque fois, quand j'envoie. Lettre que j'avais envoyé en 2017, j'avais reçu ça que le président a vu lettre là. Mm-hmm. Bon, lettre là, on est allé. Lorsque j'ai appris que c'est arrivé à la présidence, j'ai appelé Nabé. Mm-hmm. Je dis, Nabé, ah, vraiment. J'ai appris que l'aide que j'ai envoyée, c'est arrivé à la présidence. Mm-hmm. Comme vous êtes connu au niveau des présidences là-bas, je dis, il faut m'aider pour que on va chercher le chemin des lettres là. Mm-hmm. On est allé chez Ibrahima Kalul Kaba, qui est chargé à la cabinet présidentielle. Mm-hmm. Donc, Ibrahima Kalul Kaba, il nous a reçu ce jour-là. Mm-hmm. C'était un matin. Bon, on avait parlé, moi et Nabé, on est rentré. Il nous a accueillis. Donc, on a expliqué. M. Nabé m'a présenté à Ibrahima Kalul Kaba. Il dit, M. Kaba, voilà un monsieur qui s'appelle Mourital. C'est son frère qui a été abattu nous 16 à 2010. Mm-hmm. Pour la balle réelle. Mm-hmm. Il dit, ah, mes condoléances. J'ai dit, merci. Donc, il dit, bon, maintenant, d'accord, je vais me charger de ça. Ce jour, il nous a livré, moi, Nabé me dit, bon, Mour, va m'attendre au salon, je vais voir Excellence, mm-hmm. d'autres. Ils ont fait leur erreur, après moi, je me suis quitté. Mm-hmm. Après, Nabé m'a trouvé derrière, on est sorti, je suis rentré chez moi. Un jour, Nabé m'a appelé, il dit, Mouri, bon, l'être là, c'est bien vrai, c'est arrivé à la présidence, mais on va contrôler, le Ibrahima Kalul me dit que je vais contrôler au niveau le parcelle, là où mon frère avait laissé le parcelle là, si c'est pas lieu de zone réservé, mm-hmm. ou soit si c'est lotisé, pour savoir ça. Parce que quand le président veut construire pour quelqu'un, il ne faut pas que ça soit une zone réservée, mm-hmm. ou bien une zone domaine pour l'État. Mm-hmm. Donc, que si c'est ça, ils ne vont pas construire. J'ai pris le document, il a appelé Datu Kolea. Mm-hmm. Il y a un certain M. Kamara qui est chargé Datu à Kolea, mm-hmm. Habitat. Lui nous a envoyé ça avec Habitat de Koya. Mm-hmm. Bon, on est parti là-bas et on a rencontré un certain M. Mara. Mm-hmm. M. Mara, il est habitant là-bas à Koya. Mm-hmm.
On a pris ces derniers d'aller vérifier le parchère. Lui, il a vu le parchère. Il dit que bon, le parchère est bon, mais ce n'est pas le tigé. D'accord. Oui, il dit le lieu, le place là, ce n'est pas le tigé. Mm-hmm. Qu'on est venu pour le tigé, le propriétaire de domaine, ils n'ont pas accepté. Mm-hmm. Donc on a laissé le domaine là parce que c'est brouillé. Mm-hmm. Il dit que le lieu là, ce n'est pas le tigé. Mm-hmm. Bon, il dit, on a appelé, j'ai appelé Nabi. Mm-hmm. Je dis, ah, monsieur Nabi, bon, là-bas, c'est pas le tigé. Il dit, est-ce que vous avez d'autres parcelles? Je dis, oui, moi, j'ai des parcelles à Sodifa. Je dis, si on peut faire une naissance, mais c'est au niveau de ma famille. Parce que moi, mon frère n'est plus, c'est moi qui représente la famille. Mm-hmm. J'ai appelé la femme, le premier femme de mon frère et son premier garçon. Moi aussi, j'ai appelé ma femme, mon premier femme et mon premier fille. Mm-hmm. Je l'ai appelé, on a fait une assise. J'ai dit, bon, c'est moi le tête de famille aujourd'hui. Mon frère il n'est plus. Son parcelle qui est là-bas, le président veut construire pour nous. Mais l'autre lieu là, ce n'est pas le tigé. Mm-hmm. Maintenant, moi qui est vivant, moi je vais me couper de là-bas. Mon parcelle qui est là, là, j'avais un parcelle 8 et 7. Mm-hmm. J'ai dit, parcelle 7 là, le 51, je livrais ça au nom de mon frère. Maintenant, le parcelle de mon frère qui est à Koya là, moi je vais prendre ça comme pour moi. Mm-hmm. Donc, un échange. On fait une échange quoi, en famille. Mm-hmm. Maintenant, on a fait un papier, je vous ai montré le copie là, ces jours, toutes les familles avaient faire la ceinture mm-hmm. entre moi et ma famille et la famille de mon frère. Mm-hmm. Donc, après maintenant, on est allé à... Lorsqu'on avait déclaré ça, on a appelé encore d'aller vérifier mon parcelle qui a Sodifa là, mm-hmm. qui nous a dit. Donc, on avait... Datu là, il a appelé quelqu'un, il a donné le numéro de quelqu'un encore qui est travailleur de Debrika, habitat de Debrika, un certain Baldé. Mm-hmm. Lui aussi, il est agent de là-bas. Mm-hmm. Lui, on est allé là-bas encore d'aller vérifier mon parcelle là, si ce n'est pas zone réservée ou bien zone mm-hmm. occupée façon. Maintenant, on est parti, lui, il a vu, lui, il dit que ah, ici c'est bon. Il dit ici c'est bien lotisé et le domaine. Le parcelle est mon nom, Morital. Parcelle 7 et parcelle 8. Mm-hmm. Donc, il dit, bon, maintenant, ici, c'est bon. Il a fait le compte rendu de son chef qui nous a envoyé, mm-hmm. M. Camara Datu de Koléa. Mm-hmm. Lui aussi, il a fait le compte rendu cabinet à la présidence, mm-hmm. Brahma Kaloul Kaba. Mm-hmm. Bon, maintenant, après, on nous a appelé. C'est Nabé qui m'a appelé. Moi et Brahma Kaloul, on s'est vu une seule fois. C'est Nabé qui m'a appelé encore. Il dit, bon, maintenant, Mori, vraiment, on a eu la chance. Le document est retourné encore. C'est que le président a accepté de construire le parcelle là. Mm-hmm. Il dit, le document encore est allé chez Balo. J'ai dit, oh, M. Nabé, vraiment, je ne comprends pas. Je dis, le document là, moi j'ai fait une lettre pour que le président voie voir mon écriture là, pour mes idées. Si il nous a mis le docteur, nous avec le docteur Balo, en premier contact, ça n'a pas marché. Je dis, le deuxième là encore, si ça va là-bas encore, ça sera la même chose. Il dit, ça ne sera pas la même chose. Mm-hmm. Il dit, ça ne sera pas la même chose. Je dis, ah bon, d'accord. Donc, je commençais à sonner son bureau encore. Quand je vois, je ne trouve pas. Quand je l'appelle, j'ai tout son numéro. Quand je l'appelle, il ne prend pas de téléphone. Maintenant, j'ai marché comme ça derrière lui. Quand je vois, quand je vois, c'est par exemple, son jour d'audience, c'est mercredi et vendredi. Mm-hmm. Maintenant, quand on va là-bas, on lui écrit, son secrétaire, il va nous écrire.
Il dit, bon, maintenant, c'est vous qui va venir à la semaine prochaine. Semaine prochaine, quand on vient encore, ça sera la même chose. Bon, on va s'arrêter jusqu'à l'heure qu'on veut. Après, on rentre. Mm-hmm. On n'a pas d'accès d'aller le voir. Mm-hmm. Chaque fois, c'est comme ça. Mm-hmm. Moi, je l'appelle au téléphone. Il ne prend pas. Mm-hmm. Ça m'a compliqué. Étant donné que le président de la République dit qu'un de ses ministres, faire ça pour ces familles-là, ça se reste comme ça, ça n'a pas fait. Vraiment, ça nous a... On ne sait pas pourquoi ça s'est fait. Moi, c'est ma première fois. Mm-hmm. Un président de la République dit, je vais vous faire ça. Et le promesse, là, ça n'a pas été fait. Il prend un... Il ordonne un de ses ministres de le faire. Vraiment, c'est ma première fois. Mm-hmm. Un jour même, je l'ai dit ça à Dr Ballo, devant son bureau. Je dis, ah, Dr Ballo, le président n'est pas Dieu, mais il est remplaçant de Dieu aux terres, là. Je dis, si Dieu fait, il va faire quelque chose, il va faire. Et son remplaçant aussi, s'il dit, je vais faire ça, c'est obligatoire, ils vont faire. Je dis, il y avait le président qui sont passés ici. Là, je dis, si il avait promis une famille, je dis, je vais vous faire ça. Ces jours-là, tu ne quitteras pas là-bas sans qu'il n'ait pas montré ça à quelqu'un. Il dit, bon, maintenant, c'est lui qui va faire. Et il va faire. Je dis, toi aussi, tu as la même place de ça. Je dis, Conte, et le place que tu as là, il y avait quelqu'un là-bas, au temps de l'ancien Conte. Les gens l'ont nommé Kofu Arguine Foudi. Je dis, c'est là-bas que tu as la place comme ça, mm-hmm. la place de Foudi. Je dis, lui, les gens l'ont nommé qu'il est dans la paradis. Mm-hmm. Et je vous voyais. Je dis, aujourd'hui, docteur, tu as une bonne place. Si tu veux, tu vas aider à nous. Mmh. Je dis, tu es bien placé de me guider. Mmh. Je dis, aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Hein? On vous a battu pour vous, on vous a combattu ensemble. Le parti là, nous, on a fait le combat, ce parti là. Depuis, moi, je ne connais pas d'autres partis. C'est RPG là que je connais. J'ai fait tous mes temps. Lorsque je suis jeune, j'étais dans le parti là. Je suis avec mon âge là, jusqu'à présent, je suis dans le parti là. Je dis, docteur, vous avez bien placé de nous aider. On se connaît. Pas aujourd'hui. Lorsque on n'avait pas à avoir de pouvoir, nous, on faisait tout pour vous. Aujourd'hui, nous sommes en pouvoir. C'est notre parti qui est en pouvoir. Je dis, aujourd'hui, vous devez penser à nous. C'est ça que le président a dit. Il dit, moi, je ne peux pas prendre vous tous. Mais quand je prends tous les sections, je prends quelqu'un là-bas et lui aussi, il retourne. Il aide son derrière ses militants qui sont derrière lui. C'est lui qui est chargé de lui dire, c'est ça. Je dis vraiment, RPG, vous nous a fatigués, on ne comprend rien. D'accord. Donc c'est après tout ça, quand ça n'a pas réussi, que le président vous a promis cette maison à la cimenterie. Oui. Maintenant, la maison de cimenterie là, lorsque il nous a dit ça, je dis bon d'accord, et on est allé voir directeur adjoint de la SUNAPI, mm-hmm. et Bill Camara. Donc on est allé voir ces derniers, lui il nous a donné les copies que a trouvé, je vous ai montré les copies, non? Donc copies là, j'ai envoyé ça chez Nabé, Nabé a lire, il m'a expliqué. Il dit, ah, c'est une maison à vendre. C'est une maison à vendre, mais on va écrire. Quand on écrit, nous aussi, on a rempli tout ce qu'on doit remplir, on a rempli. Maintenant, on a dit que maintenant, pour les paiements, d'aller voir le président. Mm-hmm. Et vous voyez, pour les paiements, d'aller voir le président. Mm-hmm. Le copie là, c'est avec lui. Maintenant, j'ai appelé Billy aussi. Je dis, ah Billy, vraiment, on avait déposé le document à votre bureau. Quel est le suite? Le Billy a dit, ah bon, maintenant Maury, vraiment, le domaine là, ce n'est pas fini. Côté, il avait parlé, c'est lui qui connaît comment... Techniquement quoi. Il dit que le côté là est fini, l'autre côté là, c'est pas encore fini. Il faut l'attendre encore. Mm-hmm. Je dis, ah, mon frère, vraiment, moi je ne comprends rien. Mm-hmm.
On m'a envoyé à la présence, je n'ai pas compris. Mais je n'ai jamais eu d'accès d'aller voir Alpha. Je sais que quand j'ai l'accès d'aller voir Alpha, il va faire. Parce que on a suivi Alpha depuis qu'il n'est pas être président. Donc, on a confiance en lui. Donc, si on a eu accès d'aller voir Alpha face à face, puis là, il va le faire. Donc, mais avec les ces ministres-là, vraiment, on ne comprend rien. C'est ça. D'accord, je comprends. Donc, à résumer, votre dernier mot, qu'est-ce que vous demandez au président de la République via notre antenne, bien sûr? Voilà, ce que je demande au président de la République, nous, on est rentré dans le parti là, c'est pas que de l'argent. Parce qu'on a fait 30 ans dans cette partie, on n'a jamais demandé un franc au président. C'est nous qui finançons tout, mais tout ce qu'on fait au parti, c'est nous-mêmes qui finançons ça. Mais, promesse qu'il avait pris ça pour les enfants, vraiment, on demande pardon à l'amour de Dieu de réaliser ça. C'est ça que je veux lui demander, parce qu'il est bien placé de nous aider. Et c'est son parole donnée. D'accord. Donc, tout ce que je veux lui dire à président de la République, il n'est qu'à nous aider pour ça. D'accord. Les enfants là sont énormément souffrants. Nous sommes dans une quartier. Toi-même, vous, les journalistes, même si vous avez le temps, on va aller là-bas, vous allez le regarder. Les enfants là, ils sont mal entretenus. Moi qui dois lui prendre ça en charge, moi, je n'ai pas de moyens. Si j'ai les moyens, ça fait 9 ans aujourd'hui, ce que je peux faire, je fais ça pour les enfants. Mais même la dernière fois, je me suis rendu, on avait fait un grand mouvement au terrain équipé, notre village, on avait invité Balo. Balo est venu là-bas, ces jours, le deuxième fille de mon frère là était gravement malade. J'étais allé saluer le docteur, je dis docteur ça va, il dit ça va. Il m'a montré Bani Sangaré était là-bas ces jours. Il dit, Bani, voilà Morital. C'est son frère, c'est lui, son frère a été assassiné au 16 à Amdalaï. Bani Sangaré, il m'a dit, ah, mon condoléance, je dis merci. Le terrain là-bas, je lui ai dit, docteur, je veux te voir. C'était pourquoi le cas de mon frère, mon fils là. Qui était maladement ces jours. Il avait un appendicite, on doit l'opérer à lundi. Ces jours, dimanche, on était au terrain là-bas. Je lui ai dit, docteur, je vais te voir. C'était pour ça. Parce que je n'ai pas de moyens à faire l'opération de mes enfants là. Mais il dit, bon, venez me trouver au lundi au bureau. Lundi, je vais là-bas, je ne trouve pas. Je l'appelle au téléphone, docteur aussi il m'appelle. L'autre côté. Docteur m'appelle, ah, monsieur Tal, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, attends-moi, je vais voir quelqu'un là qui doit me ranger là, rapidement là, je viens. Je dis, si tu peux avoir de courage, même si tu peux laisser ma moto garantie là-bas, pour que tu vas faire l'opération, après, moi, je vais chercher l'argent, je te donne. Mais là, le docteur là, il a été gentil, il a fait l'opération. J'ai mis mon moto garantie là-bas. Je prends le taxi d'aller en ville, aller rencontrer le docteur. Balo. Docteur Balo, d'aller le rencontrer. Donc, je l'appelle. Arrivé là-bas, je ne l'ai pas le trouvé. Je l'appelle au téléphone. Téléphone sonne jusqu'à le 15h. Le 15h à...